comes the, here comes the, here comes the. Y'all don't really worry about it. Yo tout le monde, salut à tous et à toutes, on se retrouve donc pour le 38 pour la suite de notre carrière sur FIFA 15. Ça fait un bail, ça fait... Je viens de retourner de mon séjour. Donc on est vendredi et je retourne dans la guerre de YouTube les gars. J'ai 50 vidéos à tourner, donc j'ai 7 vidéos à tourner. J'ai... Alors pour dimanche, il faut que j'arrive à vite faire le montage pour l'épisode des matchs des abonnés, le résumé de Battleground. J'ai pas mal de choses à faire en rentrant. Je me suis un peu mal pris, j'aurais dû faire quelques vidéos d'avance pour être tranquille quand je rentre. Donc, où on était nous? On avait fait 4 matchs la dernière fois, donc c'était assez sympa d'avoir fait 4 matchs, parce que j'aurais dû en faire que 3. Mais j'en ai fait 4. Donc on a gagné 2-0 face à Leverkusen. Donc en Ligue des Champions on est plutôt bien. 4-1 face à l'AS Vérone, c'est l'AS Vérone. Et 2-0 face à la Juve. On a fait un bon épisode avec une victoire 3-1 face à la Roumanie en qualification pour la Coupe du Monde. Donc on a fait un bon épisode. Cette vidéo va être un peu plus chaude parce qu'on va affronter donc la Finlande. Bon, c'est pas ça qui est le plus chaud. Catane, Chelsea. Je pense faire 4 matchs en finissant face à Genoa. Ouais, 4 matchs. Ah non, mais ah oui, j'oublie que... Alors là, je record, on est vendredi soir. Et vous devez l'avoir pour demain soir. Et demain, j'ai une journée assez chargée. Donc je pourrais pas faire un gros montage. Donc je préfère rester sur 3 matchs. Et faire des bonnes vidéos, parce que la dernière fois on avait fait 4 matchs, on avait fait une vidéo environ de 15 minutes, 20 minutes. C'était assez un peu court. Là je vais faire des vidéos, je vais essayer de que ça soit un peu plus long. On va faire que 3 matchs, donc la Finlande, Catane et Chelsea. Voilà, comme ça on va être bien. Oh putain, Chelsea en plus on se la pose aussi le mois prochain. Et on se retape la Finlande et Chelsea le mois prochain. Putain. Ça va être tendu. Je me rappelle plus. Oui, donc on est en Ligue des Champions. En Ligue des Champions, voilà. Vous voyez que je suis perdu. Donc on est deuxième dans le tableau. Oh putain, République Tchèque, ils ont déjà 9 points. Ça va être dur d'accrocher à République Tchèque. Là, il faut juste qu'on batte la Finlande pour le mettre un peu dans. Pour le mettre des points d'avance. Pour essayer de. Bah, de réduire l'écart avec la République Tchèque. Et si possible, finir premier du groupe, ça serait plutôt sympa. Donc on va se lancer ça tout de suite face à la Finlande. Putain, ils ont quoi comme maillot, hein? Oh putain, ils sont dégueulasses leurs maillots. On va jouer les maillots à domicile, hein. Pouh, ils sont dégueulasses. Les maillots internationaux d'équipes pas connues, ils sont dégueulasses. Quand je dis pas connues, c'est Roumanie, Finlande, tout ça. Donc Rossi va jouer. Évidemment, le grand Rossi de retour. La défense a intérêt à tenir. Et l'attaque aussi a intérêt à tenir. Hein. Voilà. Et si je rote un peu, c'est le coca. C'est le coca juste avant la vidéo. J'espère que ça apporte chance, les gars. J'espère que ça apporte chance. Alors. Hop. Oh, sympa la passe. Pour ceux qui savent pas, le Sharawi a été transféré à Monaco. Ben, c'est bien pour la Ligue 1, c'est bien pour le Sharawi, mais... j'avoue, il a pas joué il a pas joué tous les matchs de la saison avec Milan. C'est un peu con pour Milan d'avoir perdu. Mais est-ce qu'il va jouer tous les matchs de saison avec Monaco? Ça c'est intéressant à savoir. Surtout qu'ils l'ont acheté, je crois que 7-8 millions. C'est pas énorme pour un joueur comme lui. C'est vraiment pas énorme. C'est vraiment très très petit. Je m'attendais à ce qu'il, je sais pas, qu'il paye un peu plus. Mais bon, c'est comme ça. Nous, on va lancer le match, on va essayer, on se retrouve donc pour les mises en occasion, on va essayer de gagner évidemment ce match. On va d'abord retoucher un peu au ballon, retoucher les commandes de FIFA. C'est comme normalement FIFA, c'est comme le vélo, ça se perd pas. Enfin, la balle se perd, mais pas le FIFA. Ouais, mais là c'est chaud. C'est chaud quand t'as pas touché à une manette depuis pas mal de temps. Ça c'est chaud. Ouais. Waouh, c'est quoi ça?
première offensive pour la Finlande, assez risquée. Enfin, surtout pour nous. Circulation. Oh, penalty. Ah, penalty. Bon, on nous donne un penalty. Pour moi, il y a juste un coup d'épaule, c'est tout. Pour moi, je mets pas, je donne pas un penalty sur ça, mais l'arbitre a décidé de donner un penalty. Ouais, il y a penalty. Ouais, il tire le maillot, il touche pas la balle. Ouais, il y a penalty. Il y a penalty, je l'avoue. Enfin, je l'avoue, mais pour moi, j'aurais pas donné penalty. Mais c'est bien, l'arbitre a bien fait son boulot. On va bien sûr faire marquer Kandreva. Voilà. Golasso, c'est pas un vrai but, donc tu vas reprendre la balle. Enfin, non, tu vas célébrer parce que tu veux pas prendre la balle, espèce de Kandreva. Bon, 1-0. 1-0 à deuxième minute. C'est ça. Oh, une signée. Hop. Oh, coup franc. Carton jaune, monsieur l'arbitre. Carton jaune. Là, franchement, je vous provoque à mort. Enfin, je sais pas si je provoque, mais ils sont violents, la Finlande. Hein. Putain. Et pour ceux qui se disent, ouais, tu joues en facile, non, je joue en champion. Champion, c'est la difficulté au-dessus de pro et c'est en dessous de légende. Et c'est quand même assez chaud. Hein. Il y a des fois où c'est chaud, il y a des fois où c'est pas chaud et on va tenter le coup franc. Alors là, si je le mets, les gars, applaudissements. Eh ben, ça sera pas pour aujourd'hui. Allez, Insigne. Insigne. Oh putain, je lui. Oh, j'ai raté ça, non. C'est pas grave, c'est juste Kandreva qui s'est jeté, donc ça va. C'est passé quoi? J'ai fait quoi? Il y a eu carton pour qui là? Je sais pas ce qui s'est passé. Sérieux? Il s'est pris un rouge le mec. Je sais même pas pourquoi il s'est pris un rouge. Ah bah ils ont déjà un joueur en moins pour. Y a pas sur ça, y'a pas faute. Y'a pas faute sur ça normalement. Ouais, ils ont sorti un joueur pour combler un peu. Fais ça, Kandreva. La tête. Oh, ça rentre. Et ça rentre. Allez, va c'est vrai avec ton poteau. En plus, c'est Rossi qui a marqué. 2-0, les gars. Très beau but parce que j'ai bien centré. Là, il y avait un petit trou et Rossi a trouvé la tête. La barre transversale un peu rentrante grâce au défenseur. Allez. Allez, 2-0, mi-temps. On est bien, on mène 2-0, ils ont un joueur en moins, ils jouent à 10 contre 11. Ah putain, check qui mène encore, qui mène 1-0 quoi. Oh là là. Faut qu'ils fassent un match nul pour qu'on revienne on rattrape un peu le retard. Oh putain, bah t'as trop poussé mais ça va. La tête. Oh. Non. Oui. Abattez, vas-y, tente. Ah, dommage. Si vous voulez un cadre mieux de terrain, Mota, il peut faire l'affaire. Kandreva. Oh, penalty. Penalty. Oui, voilà, penalty, monsieur arbitre. Tac par derrière, sauvage. Je mettrai un petit jaune. Voilà, un petit jaune. Mais voilà, deuxième penalty. Eremenko, qui est connu en plus. Ouais, touche pas la balle, il me fauche par derrière. C'est un jaune mérité, j'aurais peut-être même mis le rouge. Mais comme c'était pas le dernier défenseur, ils l'ont pas mis. Ouais, pourquoi pas, on va donner le doublé à Kandreva, tiens. On va tenter. Attends, ouais, mais je crois que je la loupe celle-là. Je l'ai loupé, non. Ah le con, ah le con. 2-0, victoire. Bah logique, hein. Je comprends pas pourquoi ils ont 53% de possession de balle par contre. Je vois pas pourquoi. Je vois pas vraiment comment ils calculent le truc de possession. Ouais, le budget a gagné, la Russie a gagné. Donc ça va. On arrive à tenir. On a 3 points d'avance sur le deuxième. Donc on est niveau championnat aussi, on est bien. Ouais, on est même très bien niveau championnat. Parce qu'on a donc 3 points d'avance sur la Juve, comme sur l'AS Roma, donc on a le droit qu'à une erreur en fait. On a le droit qu'à une défaite. Là, ils me disent quoi? Ouais, cool. Content d'honorer. Si tu veux.
Donc on a combien de jours de repos? 2 jours. Comment je vais faire? À question, comment je vais faire? Est-ce que je fais tourner? J'ai un 40 décimètres. Oh putain, Rossi fatigué. Rossi, on va le garder pour Chelsea. Niveau blessé, ils sont comment? Deschio, il va revenir. Donc on va le faire son match de retour face à Chelsea. Danilo, voilà. Tu vas rester en tant que réserviste pour qu'on te conserve. Sinon, le reste, on va laisser. Brandt. Non, Kishna, il est en forme comparé à toi. Alors là, Johnson. Comme ça, on fera entrer Imbula, Brandt et Niang. Ça pourrait être bon. Voilà. Face à Katan. Ça va. Face à Katan, allez les gars. Hop, on s'en bat les couilles. On balance directement le match. On va essayer de gagner tout de suite. Oh, franchement, là, déjà la passe de Fekir, là, en talonnade. Sympa. Sympa, sympa, sympa. Oh, la frappe! Tac, par derrière. Oh le rouge, carrément! Oh le rouge! Ah ouais, attaque par derrière, mérité, hein. Bon, on a intérêt à le mettre. Oh, on va prendre pied droit. On va prendre pied droit, vaut mieux. Non, j'ai dit Kovacic. Shaqiri veut le tirer, on dirait. Allez. Monsieur l'arbitre. Putain, encore. Juste au-dessus, quoi. Et en plus, ah, il était bien tiré, ça passe juste au-dessus de la barre. Bon. 0-0. Ouais. Je m'attends, je crois que je vais tirer plus de fois, mais bon. La deuxième mi-temps, il faut marquer absolument. Allez, Shaqiri. Voilà, Golasou. Allez. On va célébrer un petit coup. Shaqiri, Golasou, 1-0. Merci, mon petit Shaqiri, merci. Merci, Zerdan. Petit Suisse. Pue-le. J'en ai rien à foutre. Voilà, c'est ça. Eh, tu foires ça. Tu foires ça, Niang. T'as pas le droit, là. Oh, tu pouvais lui faire un petit pont. Ah, il aurait pu laisser action. Bon, pas grave, pas grave. Pas grave, 1-0. On aurait mérité d'être plus qu'un 0. Ouais, on aurait pu mériter, mais... Ouais, plus qu'un 0. Bon, victoire quand même. Pas cracher dessus. On va partir... On va avancer. On est à égalité avec Chelsea. Donc, ce qui veut dire que le vainqueur... Ouais, les autres ils ont 0 points. Le vainqueur sera donc premier du groupe. Et le perdant ben, sera deuxième du groupe, sauf si on fait match nul. Et donc là, rebelote. Alors, Courtois Ivanovic. Martinez. On va décontenancer Chelsea. On va dire que c'est des merdes. Ah oui. Oui, je t'ai pas oublié, mon pote. Je t'ai pas oublié. J'étais pas oublié. Bellerin, t'as fait ton taf. En fait, non, Bellerin, c'est pas toi. Abner, t'as fait ton taf. Maintenant, tu retournes en tant que, voilà, remplaçant. Remplaçant fixe. Et donc là, voilà, on a notre équipe qui est chaude comme la braise. À part Bellerin, mais j'ai personne d'autre. Hein. Puis Danilo est blessé.
Donc voilà les gars, on va enchaîner avec le dernier match de la vidéo. Donc il faut gagner. Il faut gagner. Oh putain, ça va être dur. Ça va être dur d'aller chercher la victoire les gars, surtout que on est à Stamford Bridge. Donc ça va être très très dur de chercher la victoire. Donc à mettre Zuma à la place de Soul. Ça va être très très dur d'aller chercher la victoire. Puisqu'on est à Stamford Bridge. On pourra aussi un peu l'équipe qui vont nous sortir. Une équipe de malade, hein, comme d'hab. Alors, Chelsea, Milan, Stamford Bridge. Stamford Bridge, excusez-moi. De mon accent de merde, hein, voilà, comme d'hab. Voilà, donc on peut voir que les deux équipes sont à égalité. Je pense que vous mettrez la musique, hein, comme d'habitude. Ça, je peux pas la louper, la musique de la Ligue des Champions. Alors, Aramato et Franck Sauzet sont toujours présents pour commenter ce match. Donc, on peut voir déjà Matic, Mousse, Hazard. Va y avoir les deux Hazard, les deux frérots. Parce que le petit frère était prêté à Born de Bangladesh, je crois. Allemagne. Mais il est revenu. La petite musique, évidemment, les gars. Je vous la laisse. Donc, Courtois, Ivanovic, Compagnie, Benassia à Chelsea, Ramirez, Matic, Eden Hazard, Thorgan Hazard, Moz, je sais pas quoi, Martinez. Ouah, ça va être chaud. Bon, va falloir qu'on assure en défense parce que notre équipe en fait elle fait un peu moins rêver, mais on est quand même fort, on est quand même une grosse équipe. C'est plus le Milan qu'on connaissait à l'époque là, c'est une bonne grosse équipe. Si un jour vous voyez un Milan avec ces joueurs là, c'est le Milan qui sera champion d'Italie. Le retour. Courtois, j'espère que tu vas pas faire le match de ta vie. Que je me trompe pas. C'est Rossi. Que je me trompe pas. Ah, ils ont les deux hasards sur le terrain. Eden Hazard à gauche, Thorgan au milieu. Victor Mousse, je crois, à droite. Et Martinez en pointe. Ouh, ça va être tendu, les gars. On va essayer. Oh, en plus, elle est belle leur pelouse. Donc ça va, on va pouvoir bien la détériorer. J'espère qu'on va au moins chercher le nul, parce que la victoire, ça va être très très dur de la chercher. Allez. Première frappe. Première frappe de Shaqiri, ça passe juste à côté du poteau. Oh, bien joué, Kishna. Oh, bien joué, mon pote. Oh oui, Kishna. Vas-y, Kishna. Le petit jeune. Golasso, vas-y. Vas-y. Fanfaronne devant le public de Milan, évidemment. Devant le public de Milan, en plus, on fanfaronne un peu. Bon, c'est un petit tout droit, la défense m'a laissé un peu passer. Si on a pu voir, on a vu le travail de Rossi, qui a bloqué un défenseur permettant à Kishna d'aller tout seul, et donc qui marque son premier but en Ligue des Champions, face à Chelsea. Voilà, très bien. Bien joué. Pour Kanoglu. Kishna. Le centre. La tête. Oh, dommage, c'était une belle action. Pff, vite, dégage. Oui, il est blessé, on s'en bat les couilles. On continue. Go. Oh, contre-attaque. Vous pouvez laisser la contre-attaque. C'est Mousse. C'était Victor qui s'est blessé. Là, ils vont te faire entrer une grosse bête à la place, tu vas voir. On va hurler douleur. Il faut rentrer qui à la place? Chourleux. C'est lui qui devait être à la base sur le terrain. Ah, eux, il sort un monstre pour faire entrer un monstre. Allez, bien joué. Tillmans. Oh, heureusement que... Oh, elle est contrée. Il me l'aurait mise au fond, celle-là, Tillmans. Ah là là, Tillmans. Il y a Saint-Etienne qui mène à 0, ouais, bon. Le Bayern qui mène à 0, Dortmund qui font 0-0. Barcelone, ouais, bon. Bon, les gros, ils mènent, hein, évidemment. Voilà, le gros il mène à Milan. Genre le mec il se vante. Il se vante parce qu'il mène 1-0 face à Chelsea. Après il va se prendre à 3-1 à la fin du match. Oh la parade de Courtois. Shaqiri il allait faire un festival. Enfin il a fait un petit festival mais. Il a été petit. Ouais, c'est Eden Hazard. Il faut faire gaffe à Eden Hazard. Peut me dribbler toute ma défense à lui tout seul.
Et voilà, j'ai fanfaronné. Et ils égalisent un partout grâce à Martinez. C'est Martinez normalement qui a marqué. Si je me trompe pas. Ouais, c'est Jackson. Putain, c'est qui lui? Oh, ce compagnie. Martinez sur le banc. Martinez sur le banc. Le buteur est sur le banc. La tête! Putain, il fallait la mettre, Zuma. Il fallait la mettre là. Mais laisse l'occasion! Compagnie, voilà, comme d'habitude, compagnie, je le déteste. Je le déteste, compagnie. Un partout, match nul, non. C'est pas mérité en plus. Compagnie, il a fait le match de sa vie. Ah ouais. Regarde-moi les notes qu'ils ont en plus, c'est même pas des notes de taré quoi. Ça se voit que c'est un match serré, mais. Mais non. Non. Putain, 4-0 le Bayern quoi, 4-0. Ah, je suis deg. Je suis dégoûté. Ouais, nouveau héros quoi, Kanoglu peut-être. Hein. Sûrement un nouveau héros. Naldo qui inquiète. Bon, l'AS Roma qui a un match d'avance sur nous et qui a égalité avec nous, donc ça va. Donc pour l'instant, on gère la pression. Alors, on peut causer. J'adore jouer pour ce club et pour vous, mais ma famille et mes amis me manquent tellement. Je continue à me donner à 110% chaque semaine, mais j'estime que vous devrez savoir que je traverse un moment difficile. Je n'ai encore parlé à personne, pas même à mon agent, mais ce n'est pas facile de vivre dans un pays bizarre, avec une nourriture différente, et toutes ces choses auxquelles je m'adapte. Ouais, c'est sûr, toi là-bas c'est bière, ici c'est pizza. Peut-être. Merci coach, voilà. Rapport d'équipe, donc, ah oui, dans la prochaine vidéo... On va s'arrêter les gars. Dans la prochaine vidéo, on fera donc Genoa, Palerme, Torino et on finira face au Dynamo Moscou en Ligue des Champions. 4 matchs. Je pense que c'est raisonnable pour vous. Rapport d'équipe. On regarde un peu qui a pris des points sous le mal du pays. Très mauvais moral. Alors, sous le mal du pays, hein, comme d'hab. Deschillon, il revient bien. Il fait un bon retour, ça va. Tillmans, ok, on regarde vite fait. Ouais, ça va les stats. Rossi prend encore des points, c'est intéressant. On regarde vite fait le reste. Donc là, on arrive au petit jeune, donc on passe vite fait. Niveau blessure, tiens, surtout niveau blessure. 6 semaines encore, 2 mois. Et 4 mois. Ok. Bon. En tout cas, j'espère que cette petite vidéo t'aura plu à toi. Nous, on se retrouvera donc la semaine prochaine pour nos 4 matchs suivants. Niveau classement, on est bien. Et... ah oui, tiens. Meilleur buteur. C'est Tevez. Et nous, on est où? C'est Baybek à 4 buts. Étonnant que ce soit Baybek. Rossi, il est qu'à 2 buts en Serie A. C'est assez étonnant. En passe décisive, c'est toujours Tevez. 6 passes. Nous, on a Kanoglu et Fekir qui sont à 3 et 2. Invincibilité, ben, c'est Lopez avec 7 matchs sans prise de but. Donc ça va. Ça va. Donc voilà, la vidéo est terminée. J'espère qu'elle vous aura plu. N'oubliez pas de laisser un j'aime, un commentaire, abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait. Et nous, on se dit à la prochaine. And peace out.